Thank you. Il y a Claire, Hart, qui est en direct avec nous aussi de Montpellier. Hello, Claire. On va continuer en français avec toi. Allez, on y va en français. Bonjour à toutes et tous. Désolée de ne pas être physiquement à vos côtés. Puis, si vous me permettez deux mots en anglais pour notre ami hongrois, Mathias, good luck, keep going, and we're really thinking of you. Sending you all our strength. Donc, retour en français. Je suis ravie d'être à vos côtés. Je n'ai pas tout entendu parce que le son ne passe pas toujours bien. Donc, j'espère que je ne vais pas répéter peut-être ce qui a déjà été dit. Mais voilà, moi, je suis élue à la ville de Montpellier, à la métropole de Montpellier également depuis les dernières élections. Donc, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à nous. Et puis, je voudrais faire peut-être un petit constat. Je sais que ça a déjà été fait, mais c'est intéressant quand même de poser un peu les choses chacun à son niveau. Et puis, dire comment, dans une ville, on réfléchit à dépasser ces obstacles. Et puis, pour revenir au titre même de cette table ronde, cette idée d'offensive ou même de combat, je l'appellerais peut-être combat, hein, culturel, médiatique, contre les replis identitaires. Alors, je dirais qu'à partir, pour moi, à partir des années 2015-2016, on a vu en France émerger quelques événements qui ont été catastrophiques pour les droits de l'homme, tels qu'on les comprend ici. Les guerres, la misère ont jeté des millions de migrants sur les chemins tout à fait mortifères. Nous avons eu les attentats terroristes qui ont été l'occasion d'amalgames visant les musulmans, ou supposés tels. Nous avons vu une parole à partir de ce moment-là, moi je le place un peu à cette époque, une parole liberticide, xénophobe, raciste, qui s'est libérée complètement, comme j'ai l'impression, comme jamais on a vu en France, en tout cas depuis que j'y suis, depuis mes années étudiantes. En fait, l'identité nationale est évoquée à ce moment-là pour, en quelque sorte, masquer la peur, le rejet, la haine de l'autre, et pour détourner l'attention de la fracture sociale, du chômage et de la précarité qui, bien sûr, gangrène notre société. Et ce qu'on a pu voir très clairement, c'est qu'on est toujours devant les mêmes boucs émissaires, le musulman ou supposé tel, le migrant à la recherche d'une vie meilleure, les réfugiés, les migrants qui meurent en Méditerranée pour la plupart avant même d'arriver sur notre sol, et le Rhum expulsé de son habitation précaire. Donc, on est toujours dans les mêmes schémas systématiquement. Je pense qu'il est, et ça, c'est peut-être le parti pris aussi que nous portons aujourd'hui, je pense qu'il est temps de rappeler aux Français que le monde a changé, que cette France éternelle dont on l'a sérinée des siècles durant n'existe tout simplement plus. Si tant est qu'il eût existé un jour, hein, cette idée d'une France galloise, blanche, éternelle, catholique, etc. Hein, tout un débat autour de cette supposée réalité. Je trouve qu'il est temps que ce roman français dans lequel les Arabes et les Noirs n'existent qu'en périphérie des événements majeurs doit être complètement révolu. On doit passer dans le 21e siècle dans ce pays que j'aime beaucoup. Hein. Vous entendez par mon accent que je ne suis pas née ici, mais que c'est mon pays d'adoption que j'aime. Pour moi et pour nous, sur la ville de Montpellier, la lutte idéologique passe par un discours prônant l'égalité et la fraternité et dénonçant systématiquement, je le dis bien, et ça a été dit plus tôt, les propos et les actes racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, systématiquement. On ne doit absolument rien laisser passer. Cela veut dire aussi qu'on doit mettre en avant et vraiment promouvoir les commémorations, les manifestations interculturelles. Je pense au
tirailleurs sénégalais, il faut en parler chaque année, comme on parle des autres commémorations. Donc, ce sont des aspects très pratico-pratiques qu'on peut aller chercher dans une ville. Si on veut, on peut faire cela. Donc, c'est vraiment dans ce sens qu'il faut aller. Je pense aussi que tout cela, le combat se mènera aussi par l'éducation populaire, hein, dans les quartiers, dans les médias, dans les institutions scolaires, dans les universités. Il ne faut jamais, jamais laisser tomber cette partie-là. Et on doit travailler, une municipalité doit travailler de manière extrêmement sereine, je dirais, avec le milieu associatif. Donc, la période de viser pour mieux régner du passé doit être révolue complètement. On doit travailler main dans la main avec nos associations qui luttent sur le territoire, sur le terrain, depuis des décennies et qui font un excellent travail. Et vraiment, le salut viendra aussi de ce travail commun que nous pouvons mener en mettant en avant ces associations. Je pense aussi que la lutte pour l'égalité réelle et contre les discriminations systémiques viendra également par un travail presque d'inventaire sur l'ensemble des aspects et des domaines sur lesquels les discriminations s'y glissent. Et là, je parle de la discrimination à l'embauche, y inclus dans nos institutions publiques. Contrôle au faciès, nous avons la police municipale entre les mains, en quelque sorte. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là et c'est un travail que nous, à Montpellier, nous menons actuellement. Et ce travail-là, et ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur les femmes et l'importance de relier un petit peu les luttes, ce travail-là aussi est mené aussi également sur une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences, une meilleure prise en charge de personnes victimes d'homophobie. Donc, on amène en fait notre police vers un meilleur comportement global. Donc, ça, c'est aussi très important. Il y a aussi un aspect, et moi, ça me... Peut-être mes origines britanniques, londoniennes, viennent aussi m'influencer dans ce sens, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur la fierté. La fierté d'être une ville monde. Montpellier, je considère que Montpellier est une ville monde, une ville arc-en-ciel, si vous voulez, une ville de brassage de culture, une ville d'appartenance multiple, une somme de richesses. Cette diversité interculturelle est une somme de richesses. Moi, j'y crois. Je pense qu'on est très nombreux, nombreuses à y croire. Et je pense que ça aussi, il faut pouvoir le dire haut et fort, en parler, expliquer, montrer par les médias comment tout cela s'articule et comment tout cela finalement fait rayonner ce territoire et cette ville. Je disais, je viens de Londres. Tout n'est pas bien et très loin de là, hein, à Londres actuellement. Et surtout actuellement. Néanmoins, nous avons une ville où il y a une véritable culture de la fierté des origines diverses de cette ville. Cette ville-là a réussi à mettre en avant, avec Sadiq Khan, la fierté absolue d'appartenir à cette ville multiculturelle. Et moi, j'y crois beaucoup à cela. Je pense que c'est possible. Et je pense que c'est possible aussi en France. Mais ça ne viendra que si on lutte pour l'égalité réelle. Ça me ramène au point précédent, en passant en revue chaque instant où on pourrait dévier de ce chemin de l'égalité. Voilà. Donc, tout un tas d'éléments, moi, je pourrais en parler très, très longuement, mais je sais qu'on est bien nombreuses et nombreux à prendre la parole. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être, quand on a la chance d'avoir... une ville, une belle ville, la septième ville de France, entre nos mains, en quelque sorte, on doit absolument se fixer une ambition à ce niveau-là et faire en sorte que, sur le temps de mandat, 6 ans, on arrive à réellement changer les choses pour le bien de l'ensemble. Merci Samuel, je m'arrête. Merci.